Vous aussi, vous aimez entendre ce bruit qu'on ne retrouve pas sur la majorité des appareils photo aujourd'hui. Mais pourquoi s'entêter à utiliser un médium qui se meurt un peu plus chaque jour, avec des pellicules qu'on adore qui finissent par disparaître, RIP, la Fuji Pro 400H, sans, sans être véritablement remplacé en plus, avec un produit qui participe peut-être au désastre écologique Pour leur alerte, les deux secteurs ont des impacts écologiques selon leur utilisation, mais toujours moins que les riches et leurs jets privés. Aujourd'hui, la nouvelle technologie nous permet de cliquer autant que l'on veut, d'avoir un bon focus quasiment à coup sûr, avec une qualité d'image, haute définition et à moindre risque. Mais est-ce que c'est pas là une facilité qui fait de nous des gros feignants à trop se reposer sur cette dernière Sans même parler de l'influence du monde de la photo et vidéo à la surconsommation des contenus et du nouveau matériel qui arrive tous les ans. Au contraire, est-ce que justement cette nouvelle technologie ne libère pas une bonne partie de l'aspect technique pour laisser place juste à la créativité. Puis, si on fait le calcul, on ne dépenserait pas plus en argentique au bout du compte. Les points de vue sont divers, mais quelles sont les bonnes réponses, y en a-t-il seulement. Ceci n'est pas un complément d'enquête, juste une vidéo d'un photographe passionné. Alors je vais plutôt vous emmener avec moi dans mon parcours et les réflexions que je me pose avec ces deux médias. Les drames et les joies que j'ai vécues, et Vie encore à travers eux. Là, vous vous dites, oh, il ramène ça à lui. Bah oui, il faut bien que ça parle un petit peu de moi. On est sur la chaîne de qui après tout Contrairement à ce que l'on considère comme un parcours naturel en photo, même si c'est devenu moins courant aujourd'hui, je n'ai pas commencé ma pratique par l'argentique, mais avec un vieux réflexe numérique d'entrée de gamme, le Canon 60D, que j'ai gardé un bon moment. Et que j'ai encore, car répéter après moi, ce n'est pas le matériel qui fait de bonnes photos, c'est celui qui prend la photo. Pour moi, l'Argentique, c'était un domaine réservé à ceux qui allaient à des écoles de photos ou pour de courants professionnels. Ça m'impressionnait énormément. Et étant complètement autodidacte, cela ne me semblait pas en phase avec mes ambitions à ce moment-là. Celui qui allait prendre énormément, énormément de photos, je voulais pouvoir faire plein d'erreurs sans culpabiliser car les horreurs ont un coût en argentique et mon portefeuille souvent vide à cette époque m'aurait donc bien donné des limites à ma pratique peut-être qu'en fait au contraire ça m'aurait forcé à plus réfléchir à ce que je voulais faire d'ailleurs c'est comme ça qu'il devait procéder le photographe avant cela dit ça n'aurait pas été avec mon état d'esprit de cette période et j'ai eu bien de la chance d'avoir du numérique à portée de main faut ajouter aussi que je ne côtoyais personne dans mon entourage proche qui en faisait ça reste donc quelque chose d'inconnu et comme inaccessible pour moi. J'ai donc fait mon petit bout de chemin. J'ai try hard la photo dans différentes sections, techniques, comme on level up un perso dans un jeu vidéo, pour avoir les meilleures skills possibles. Spoiler alerte, je pense que je suis encore loin, mais très très loin du niveau que je voudrais atteindre. Mais c'est un petit peu ça, le chemin de la photo. C'est donc environ 3 ans. Après mes débuts en photo, que j'ai finalement acheté mon premier appareil argentique dans une brocante. C'était un Minolta T330. Je n'avais absolument pas prévu que ça arrive, mais je dois dire que le côté esthétique en passant m'a marqué quand je suis tombé dessus. Et on va pas se mentir, ça joue. Ne mentez pas, je vois votre petit nez qui commence à dépasser de l'écran là. En tombant dessus, je me suis dit Attends, un appareil à 15 euros seulement Combien Genre, c'est vraiment possible Allez, ce n'est pas grand chose et puis au pire, ça me servira de déco. Je ne voulais pas d'un appareil jetable, qui sont en fait pour moi le principal dégât écologique du domaine, à mon sens, parce qu'en plus, ça ne nous apprend pas grand-chose sur la pratique, tant il y a des limites, et ceux qui partent le plus souvent, ce sont ceux d'entrée de gamme. Je n'avais véritablement aucune notion de comment l'appareil que je venais d'avoir devait fonctionner. Et je voulais surtout vérifier quelque chose avant tout bah, c'est qu'il était en état de marque. Je l'ai donc amené à une boutique pour demander une vérification. Et devinez quoi voilà, qui s'est fait vaseliner sans trop grande surprise, c'était moi. Il était déjà foutu depuis un bon moment et on m'a déconseillé la réparation qui serait bien plus coûteuse quand on retrouvait un d'occasion qui marche. Donc mon aventure commence avec une mauvaise surprise et je pensais pas que l'aspect esthétique allait arriver aussi vite. Donc au final, je me retrouve frustré car je tenais entre mes mains une nouvelle aventure dont la porte m'était arrivée en pleine face. Le pouvoir de la projection est en fait. Très très fort chez moi. Et je n'allais pas rester sur un échec. J'en voulais pour mon argent perdu. 15 euros, pour moi, c'était pas rien à ce moment-là aussi. Je me suis donc mis en quête de ce même modèle ou un qui s'en rapprochait un petit peu plus dans les confins d'eBay. Rapidement trouvé et acheté par un gros vendeur pro et l'assurance d'une garantie s'il ne marchait pas cette fois. Il fallait maintenant acheter une pellicule. Et là, pareil, ben, j'y connaissais absolument rien. J'avais juste vu quelques vidéos, mais c'était encore très peu nombreuses à ce moment-là. Honnêtement, je comprenais pas grand chose à ce que je regardais. Je me suis donc dit que j'allais yellow C'était avec la Kodak Gold 200 que j'ai fait mes premières photos. Est-ce que c'est à ce moment-là que je vous raconte à quel point j'ai été idiot de ne pas m'être enseigné sur comment prendre des photos en argentique avant de déclencher. Allez Il y a quelques années, dans un lointain laboratoire photo, Maureen, une talentueuse laborantine, s'apprêtait à révéler le mystère entourant Jordan. L'imagerie, scannant ses premières photos, pouvait enfin confirmer ce qui ne pourrait être que de grande importance. Un moment révolutionnaire qui serait à jamais capturé dans le temps et le... Ici, on aime l'autodérésion, donc c'est parti. Venant du numérique, j'ai supposé en fait que c'était les mêmes règles pour le réglage d'exposition. Et surtout, je pouvais ainsi donc changer les ISO, les ASA, à chaque déclenchement quand il faisait trop sombre ou trop lumineux. Erreur, erreur, erreur. N'est-ce pas Je vous laisse un instant pour me juger. À Maurice Bernard de taper sur son clavier un commentaire qui, je suis certain, sera bienveillant et plein de jolies paroles. Et à ma famille de me désavouer. Vous vous soir Normalement c'est bon, je préfère être transparent avec vous, aucune envie de vous faire croire à un petit parcours de génie ou de rêve que j'ai tout de suite cassé le game. En fait je crois que je l'ai même pas un petit peu plié. Le chemin est encore long et heureusement. Évidemment, rien de grave à faire des erreurs. Au contraire, le principal, c'est donc tirer quelque chose. L'exercice de recevoir mes scans et mes tirages, oui. Je me suis dit que tant qu'à faire pour la première fois, je voulais graver ma bêtise sur papier, histoire de bien marquer le coup. Recevoir tout ça me procurait un sentiment incroyable. Parce que la plupart des photos avaient déjà une âme sans retouche. Avec ce je ne sais quoi. Je savais que j'allais probablement faire un léger post-traitement dessus. Les photos argentiques, ça se retouche. Ça c'est encore un autre sujet. Car au final ce ne sont comme que des photos brutes. Mais je n'aurais pas à me torturer l'esprit sur de longues longues sessions de retouches pour mettre en vie ma vision. Par-dessus tout, en fait, ces photos étaient détachées du lien professionnel que j'avais avec la photo. Ce n'était ni pour les réseaux, ni une commande, personne n'attendait rien de moi sur ce terrain-là. C'était comme mon petit jardin secret, ces photos étaient là juste pour moi. J'ai donc fait mes petites expériences, sans jamais rien sortir sur les réseaux, toutefois en essayant d'améliorer ma maîtrise de l'appareil. Et de ces nouvelles règles en mangeant des chaînes entières dédiées au sujet. Et puis à ce moment-là, on pouvait encore se permettre en fait d'essayer différents types de pellicules sans vendre un rein. J'avais donc plein de nouvelles possibilités et de surprises. Parfois mauvaises, on ne va pas se mentir, hein, mais de la découverte à foison. Ce qui m'a permis en fait de réaliser lesquelles correspondaient le plus à ce que je voulais partager comme ambiance. Et cette dynamique allait bientôt finir par être stoppée. Il est ensuite arrivé une période de ma vie où, professionnellement parlant, j'étais gérant d'un bar et mixologue. Et ça ne me laissait que très très peu de place pour faire de la photo, même numérique. Ensuite est arrivée la grande crise du C-19 qui m'a fait perdre mon travail. Je n'avais donc plus beaucoup de moyens et je me suis mis totalement à la photo pendant cette période-là. Mais ayant très peu de moyens, en vivant sur mes économies, je m'en tenais au numérique qui ne me demandait pas un coût supplémentaire si ce n'est en fait le bon entretien de mon appareil. Et de mes objectifs. Mon Inolta prenait alors peu à peu la poussière. Mais à quoi bon, en fait, je me disais, continuer un médium qui n'existe plus dès lors qu'on n'a plus un sou en poche. Parsemé d'appareils quasi retraités, pouvant rendre leur dernier souffle de façon aléatoire, faire toute une pellicule et se rendre compte que le résultat est complètement foiré parce qu'il y a tout plein de facteurs bah, qui peuvent te faire perdre tes photos. Mal engager sa pellicule et elle brise au cours des prises de vue l'ouvrir avant la fin de cette dernière, le classique, hein. un développement en laboratoire qui se passe mal, de trop importantes fuites de lumière, bref, c'est presque jouer avec le feu quand on n'est pas si expérimenté que ça en la matière. Alors qu'à ce moment-là, le numérique m'offrait une plus grande sécurité. Le numérique était devenu ma zone de confort, plus de marge pour l'erreur, qui devenait aisément rattrapable, plus de contrôle, de rapidité plus d'options et une qualité de netteté d'image au rendez-vous, même en zoomant et zoomant. Paradoxalement, j'étais une sorte de contrôle-fric sur mon appareil numérique. Je le suis toujours un peu. Depuis le tout début, faisant tout en manuel. Sauf le focus, c'est déjà quelque chose que je peine à voir dans la vie tous les jours. Alors qu'il existe en plus des modes pour se faciliter la vie à la prise de vue. Et en même temps, j'avais plus le temps pour retoucher ces photos prises avec mon appareil numérique, ces photos plus personnelles. Parce que j'étais devenu... Beaucoup trop perfectionniste que je ne l'étais déjà. Je voulais que mes lumières soient parfaites, mes couleurs nickel et que ma composition photographique soit impeccable. Résultat, ces photos sont restées dans des sombres sous-dossiers sur un de mes nombreux disques durs en me disant, pour me rassurer, qu'un jour je prendrai le temps de les retoucher. On se moment tous à soi-même au bout d'un moment. C'est alors qu'est arrivé ce jour fatidique où j'ai fait comme un burn-out de la photo. Non pas parce que je n'aimais plus ça, mais je ne faisais plus que ça dans une optique professionnelle, qui n'était pas synonyme de réussite, de stabilité financière. Je chutais uniquement pour que ça plaise aux autres. Et non à moi. Je suis retombé sur mon bon vieux Minolta un jour, comme ça, et je me suis dit que j'allais le prendre avec moi, même s'il faisait moins 15 degrés à ce moment-là quand j'étais à Montréal. Je voulais faire une balade dehors sans aucune pression sans chercher à voir un bangers à tout prix juste ce qui me parlait sur le moment et tant pis si mes clichés allaient pas être incroyables et en fait ben ça m'a fait du bien je ne voyais pas le résultat tout de suite mais j'étais apaisé je n'étais pas pressé non plus de voir ce résultat j'avais déclenché juste par envie Je pense que c'est à ce moment précis que j'ai su que j'avais trouvé le bon équilibre pour moi. Il ne s'agissait plus d'abandonner un médium pour un autre, de chercher à savoir quel est le meilleur format qui fait de moi un meilleur photographe. En fait, j'aurais fait fausse route en pensant comme ça, mais plutôt de comprendre ce qu'ils peuvent nous apporter l'un et l'autre et ce qu'on choisit d'en faire. Ce sont en fait deux mondes si riches avec leur pénibilité propre et c'est à nous de choisir si on peut s'en accommoder s'ils répondent à notre façon de travailler, ou prendre du plaisir surtout à faire des photos avec. Pour moi, rien n'est intangible. Notre vision, qu'elle soit artistique ou purement technique, même si par exemple il s'agit juste d'un loisir, nos besoins et nos envies, elles évoluent également. Et il serait triste de s'enfermer dans un médium, dans un format, qui serait en fait devenu si confortable par habitude qu'on oublie la joie de la découverte. Rien n'est parfait dans la photographie, et c'est ce qui la rend si belle pour moi. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, après ma première pellicule, ma vision de la pratique a forcément bien changé. Mes buts, mon matériel ont évolué, que ce soit en numérique ou en argentique, tous deux pour s'adapter à mes besoins actuels. Si vous vous demandez quel matériel j'ai, j'en ferai peut-être une vidéo. Laissez-moi savoir en commentaire si ça vous intéresse. Avec le coût que la pratique argentique engendre aujourd'hui, les augmentations de tous les prix. Je la consacre forcément plus à des projets que je réfléchis en amont et qui me tiennent à cœur. Car j'ai appris à incorporer le fait de prendre des photos qui étaient importantes pour moi, qui me plaisaient aussi à moi, et tout ça dans ma façon de travailler. Cela dit, je me garde toujours une pellicule plaisir 400. Non, c'est pas une nouvelle pellicule, c'est juste que je l'appelle comme ça, car elle est juste là pour moi, sans thème précis, juste des déclenchements qui iront au gré aléatoire des moments que j'ai envie d'immortaliser sans aucune pression. J'utilise chacun de mes appareils pour leur fonction qui va me faciliter la prise de vue et répondre le plus à ce que je veux faire ressortir de mes photos dans telle situation. Les deux pratiques me font grandir aujourd'hui. Tant que j'y trouve de quoi me faire vibrer, je veux continuer à explorer ce qui est possible dans chaque domaine. Nous avons un rapport et une histoire différentes avec notre pratique. Et je vous ai raconté mon histoire qui ressemble fortement en fait aux différentes phases d'un couple. Car finalement, c'est aussi une histoire d'amour et elles évoluent. Tout différemment. Il n'y a pas de règles, de schémas précis à suivre, tant vous vous y retrouvez, que cela vous ressemble. Le meilleur n'est ni le numérique, ni l'argentique pour moi, c'est la pratique qui vous fera vibrer et vivre des émotions. Peu importe qu'on vous dise que ça c'est le meilleur appareil photo à avoir, ça c'est le meilleur objectif qu'il vous faut absolument. La réponse à cette question, faut-il continuer l'argentique Il n'y a que vous-même qui avez en fait la réponse. Que ce soit les influenceurs, les youtubeurs ou encore professionnels, personne ne sait mieux que vous-même ce qui vous conviendra et ne peut décider surtout pour vous. Testez, expérimentez. Je ne suis pas non plus assez qualifié pour vous faire un listing sur le bilan écologique du secteur de chacun. Il y a des articles et des vidéos qui le feront bien mieux que moi. J'ai préféré m'intéresser ici plutôt à ce qui nous pousse à déclencher. Et parce que deux avis valent toujours mieux qu'un, vous pouvez retrouver en description la vidéo de Gabriel, qui est un photographe et qui fait aussi des vidéos sur YouTube, qui a traité de ce sujet de façon très intéressante. Enfin, je vous laisse sur une citation de la photographe Dorothy Lange L'appareil photo est un outil qui enseigne aux gens à voir sans appareil photo. I threw it all away I'm home The clock is ticking at midnight I keep on watching the time